En janvier dernier, Thaïs, une adolescente de 12 ans, a décidé de faire don de ses cheveux à l'association Fake Hair pour les malades du cancer. Une maladie qu'elle a elle-même subie à l'âge de 8 mois. Rose Magazine est allée à sa rencontre pendant et après son initiative solidaire. J'avais vu dans un film, il y avait des filles, elles s'étaient rasées la tête parce que ben, on pouvait en faire des perruques. Il y a ça aussi, l'idée de pouvoir donner les cheveux, en faire des perruques, en faire plein de choses, quoi. Une fois, je suis allée à l'hôpital, il y avait une petite fille et elle avait perdu tous ses cheveux. Il y a ça aussi, je me suis dit pourquoi personne ne voudrait donner ses cheveux, quoi. T'as de la longueur. Le fameux 19. C'est le jour où je suis tombée malade, le 19 janvier 2009. C'est à ce moment-là qu'on a su ma maladie. C'était au mois de décembre, elle m'appelle un soir, j'étais avec ma maman, et puis elle me dit « Regarde maman, ça me va bien », et elle avait mis ses cheveux en fonction, je les ai coupés. Je dis « Ah, c'est hors de question, tu coupes pas tes cheveux, pas tes beaux cheveux ». Quand je suis rentrée le soir, elle me dit « Regarde, j'ai fait des recherches, si je coupe mes cheveux, je peux les donner pour les dames qui n'ont pas de cheveux, qui ont eu le cancer comme moi. » J'ai choisi ça avec maman. Donc, elle m'a fait... Tu sais, il y a plusieurs associations. J'ai fait « Tu choisis » et puis moi, je choisis la longueur que je veux couper. On a préféré les donner à Fark Air. Fark Air en plus était moins exigeant parce qu'il prenait à partir de 25 cm ou 20 cm. Et bon, on savait pas qu'on allait couper autant. Hein, il y a quand même eu 50 cm de coupé. Retour de me dire elle va reperdre ses cheveux. Non, elle va pas reperdre ses cheveux, elle a 13 ans, elle est jolie, elle a un petit carré bien sympa, elle a une bouille de filou. Une fois que c'est fait, hein, mais une fois pas deux.